Le chant des cigales sur la place du village, c'est tout le charme de la Provence. Mais pas pour tout le monde. Et à l'heure de l'apéro, monsieur le maire en a une bonne à raconter à ses administrés. On a eu des touristes qui se sont plaints des chants des cigales. Alors nous, on a dit que nous, la cigale... Mais qu'ils aillent en Suède. Voilà, que c'était la, le chant, c'était emblématique. Moi, si je ne les entends pas, les cigales, je suis malheureux. Eh ben voilà. Et ils m'ont dit, mais oui, on est gênés. Toute la journée, ça crie jusqu'au soir très tard. Alors, est-ce que vous avez un produit pour justement des pesticides pour pouvoir passer sur nos arbres? Mais qui a donc demandé d'exterminer les cigales? La patronne du café a sa petite idée. Je crois que c'était des Parisiens. Et... Les Parisiens qui se plaignent du bruit des cigales. Sur le bruit des cigales, c'est la nature, quoi. Peut-être que les boules qui est, pour ces gens-là, seraient plus intelligents que de massacrer ces pauvres animaux. Hein. Pas question à bosser d'exterminer les cigales. Mais à Decazeville, en Aveyron, les boules de pétanque trop bruyantes ont été interdites par le maire après 23 heures.